Le 31 mai 2023, Laurent Wauquiez était à l'honneur au Cercle de la Revue des Deux Mondes, lors d'un dîner organisé par Marc Ladderet de La Charrière. Un cadre prestigieux dans lequel l'homme politique a pu retrouver entre autres, Yasmina Benoghigi et Franz Olivier Gisbert. Elle n'oubliera pas de sitôt le 1er juin 2023. En effet, Florence Bergeau-Blaclair a reçu le prestigieux prix de la Revue des Deux Mondes à Paris. CST Aurélie Julia, directrice de la revue, et Marc Ladderet de La Charrière, président d'honneur et propriétaire de Webedia, société éditrice de Pure People, qui lui ont remis la distinction pour son ouvrage intitulé « Le frérisme et ses réseaux », publié aux éditions Odile Jacob. Créée en 2008, cette récompense a pour but de faire connaître un essai paru dans l'année en langue française, à la fois pour ses qualités littéraires et la pertinence de son sujet dans le débat d'idées contemporain. L'écrivaine a convaincu le jury de cette édition 2023, composé d'Élise Longuet, François Boujon de L'Étang, Olivier Cariguel, Raphaël Dohan, Franz Olivier Gisbert, Renaud Girard, Thomas Gomard et Robert Kopp. Florence Bergeau-Blaclair, chercheuse au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, était très émue lors de cette remise des prix. « Je suis heureuse et fière que le prix de la Revue des Deux Mondes vienne couronner mon livre, fruit d'une recherche scientifique que j'ai conduite durant plus de 20 ans, souvent dans la solitude voire dans l'adversité », a indiqué l'écrivaine, déclarant que ce prix honore le combat quotidien pour la liberté académique, la recherche et l'enseignement, et tous ceux qui le mènent, a-t-elle expliqué. Et pour cause, en plus de ces grands noms de la littérature, la 16e édition de la Revue des Deux Mondes a également réuni de grandes célébrités comme l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, le politologue et essayiste Gilles Kepel ou encore la productrice Yamina Benguigui. Laurent Wauquiez à l'honneur lors d'un dîner la veille, un dîner au Cercle de la Revue des Deux Mondes a été orchestré par Marc Ladderet de La Charrière, le président d'honneur de la remise des prix, organisée au Cercle de l'Union Interalliée en l'honneur de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À leur côté, Lu Shei, ambassadeur de Chine en France, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Yamina Benguigui, Franz Olivier Gisbert, général Jean-Louis Georgelin, Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, et Mena Rolling, ambassadrice du Royaume-Uni.